Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment, on ne s'est pas vu. La famille, je suis en train de préparer un spectacle au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de la vidéo, on va revenir dessus plus tard. La famille, la DBLOTI 2024 commence officiellement. Ça commence quand? Il s'agit de quoi? Quelles sont les dispositions à prendre? On en parle dans cette vidéo. Reste couché et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Salut ma soeur, je suis Yves aux USA. Bienvenue dans la famille des jeunes cadres dynamiques. Ici, on parle de tous les moyens légaux pour venir aux États-Unis. On parle d'entrepreneuriat, de motivation, en tout cas, tout ce qui peut nous aider à devenir des jeunes forts, des jeunes cadres dynamiques. Mon frère, ma soeur, si ce sujet t'intéresse, on te demande de faire deux choses seulement. D'abord, il faut liker la vidéo. Oui. Il faut liker la vidéo, voilà, après avoir liké, maintenant il faut vérifier que tu es abonné, voilà, faut t'abonner en activant la cloche de notification. Si c'est fait, c'est bon, on peut en parler maintenant de la DBLOTI 2024. Alors, chers jeunes cadres dynamiques, j'espère que vous allez bien, je vous donne des excuses, ça fait un bon moment quand même que je ne fais pas régulièrement des vidéos, mais comme j'ai dit, on va revenir dessus plus tard. Ceci dit, la DBLOTI commence, la DBLOTI 2024 commence à partir du mois d'octobre prochain. D'accord? Alors, qu'est-ce qui montre que ça commence en octobre prochain? Bien évidemment, que les visas bulletins de la DBLOTI 2024 sont déjà sortis. Je vais dire plutôt le premier bulletin des visas bulletins. Les premiers bulletins des visas bulletins de la DBLOTI 2024 sont sortis depuis quelques heures. Donc, très rapidement, j'ai voulu faire cette vidéo-là pour vous informer. Alors, la famille. Il faut déjà savoir que quand les visas bulletins sortent, vous voyez qu'on met Afrique, Europe, tout ça et autres. Je vais faire cette précision-là. Quand on met Afrique, c'est pour ceux qui ont joué en tant qu'Africains, c'est-à-dire Ivoiriens, Congolais, Togolais, tout ça et autres. Parce qu'il y a des Africains qui vivent en Europe. Donc, quand les visas bulletins sortent, il y a les visas bulletins Europe. Ou bien il y en a qui vivent peut-être, je sais pas moi, en Amérique du Sud. Il y a les visas bulletins de l'Amérique du Sud ou bien de la Russie. Non. Tu vis là-bas, peut-être pour tes études ou bien pour le travail, tout ça et autres, mais ta nationalité, là, avec laquelle tu as joué, là, c'est à ça qu'il faut te référer. D'accord? C'est la précision que je voulais faire. Ceci dit, on va parler maintenant des visas bulletins qui ont été publiés. Vous êtes prêts? On en va. Alors, il faut déjà savoir qu'en Afrique, pour l'instant, les visas bulletins sont à 10 000. D'accord? En Asie, 2 000. En Europe, 4 500. En Amérique du Nord, il y a juste 2. En Océanie, c'est 225. En Amérique du Sud, c'est 375. Exception, comme d'habitude, il y a toujours des exceptions. D'accord? Pour cette fois, en Algérie, ça sera 7 500. En Égypte, 5 500. Le Maroc, 5 600. L'Iran, 1 750. Le Népal, 1 300. La Russie, c'est 4 400. L'Ouzbékistan, c'est 1 250. Alors, la précision que je voulais faire ici, on va prendre rapidement l'exemple de l'Afrique. Alors, l'Afrique, par exemple, les visas bulletins sont actuellement à 10 000. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont un case number de 001 jusqu'à 10 000 seront programmés pour interview en octobre prochain. C'est pour dire que c'est officiel, la DBLOTI 2024 va commencer, ou on va dire encore à commencer. Donc déjà, tous mes amis et frères de la DBOTI 2024, tenez-vous prêts, c'est lancé. Une autre précision encore que je voulais apporter. Il faut savoir que ce n'est pas parce que la DBOTI 2024 est en train de commencer que la DBOTI 2023 est finie. Non. Chaque année fiscale part du mois d'octobre jusqu'au mois de septembre. Donc, la DBLOTI 2023 a commencé en octobre 2022 et ça va finir en septembre 2023. Nous sommes encore en août. Ceux qui n'ont pas encore été programmés ou encore ceux qui attendent l'interview, tout ça et autres, n'ayez pas peur, il y a encore de l'espoir pour tout le monde. Tant qu'on n'est pas encore au 30 septembre 2023, la DBLOTI 2023 n'est pas encore finie. D'accord? Voilà. Maintenant, tous ceux qui ont été sélectionnés, et encore, qui doutent encore, qui ne sont pas à l'aise avec tout ce qui est en train de se passer, tout ça et autres.
N'hésitez pas à nous contacter. Nous, on fait du coaching et on a beaucoup d'exemples comme ça qui sont déjà aux États-Unis grâce à notre coaching. Là, je mets le numéro qui est là. Voilà, contactez-nous et on va vous dire tout ce qu'il faut remplir comme condition pour bénéficier de notre coaching. Alors les amis, donc c'est cette information que je vais partager avec vous. J'espère que vous allez super bien. Et voilà, on va faire plein de vidéos comme ça pour vous maintenir voilà, toujours informé et aussi faire des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur la motivation et tout ce qui va avec. J'espère que ça vous manque. Vous me manquez aussi énormément. C'est difficile pour moi, mais il fallait se libérer un peu pour plus se concentrer sur ce que j'étais en train de faire. Mais là, déjà, on a presque fini, donc je peux recommencer à faire des vidéos. Encore désolé, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.